Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un haul AliExpress. Je crois pas que ça faisait si longtemps que ça. Hein. J'allais vous dire que ça faisait longtemps, mais je crois non, ça fait pas si longtemps que ça. Je commande régulièrement sur AliExpress. Voilà, comme vous le savez, je compare souvent les prix. Que ce soit sur Shein, Temu, AliExpress, Amazon, je compare les prix partout et je commande là où c'est le moins cher. Surtout pour les moules en silicone, pour la résine et tout ça. Donc il y a des moules, il y a des t-shirts, il y a des accessoires pour les animaux et d'autres choses pour d'autres DIY. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout fouille. Les moules en silicone, il y en a que j'ai fait... Celui-là, je sais plus si c'était mu, enfin bref, il y en a que j'ai fait, il y en a que j'ai pas fait, il y en a beaucoup que j'ai pas fait d'ailleurs parce que je les ai reçus il n'y a pas très longtemps. Donc je vous inclus, je vous mettrai une petite photo du résultat qui est sur le site. Je vous mets les liens en barre d'infos et les prix à l'écran et on est parti. Vous allez voir que j'ai abusé, comme d'hab. J'essaie de rapprocher mon fauteuil parce que Riley l'a encore bougé. Donc voilà quoi. Après il y a des grandes pièces. Hein. On va commencer par les nanimaux parce qu'il y a le panier des chichous au-dessus. Donc on va commencer par les nanimaux. J'ai acheté un panier pour les chichous, donc les chinchillas pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement. Donc clairement il faudra que j'enlève le coussin dans le fond parce que eux ils vont le virer. C'est un petit cochon. Donc voilà, le coussin à l'intérieur s'enlève. Il y a même une zipette pour pouvoir le laver. Eux, ils dorment directement comme ça dedans, puisqu'ils se mettent en boule dedans. Et comme ça, ils auront un peu plus de place qu'avec le coussin. Mais voilà. Le coussin peut être pas mal pour filmer les close-up ongles et compagnie. Donc, il est trop beau. J'aime trop. Voilà. J'en avais pris un autre qui sera clairement pour les chichous aussi, puisque de base je l'avais pris pour les titis, mais la taille c'est juste un peu trop grand. Donc là c'est une petite cabane verte olive comme ça, foncée. Bon, faut qu'elle se mette en forme, hein, parce que... Alors c'est pas de la super qualité, pour les titis de toute façon ça n'aurait pas été, puisque les coutures sont apparentes. C'est un dôme avec le fond carré pour qu'il tienne droit, d'ailleurs je pourrais peut-être vous le mettre pour que vous voyez le rendu. Là je pourrais le laisser à l'intérieur parce que c'est plat donc ça change rien, c'est juste vraiment pour garder la forme et il faut qu'il reprenne un peu sa forme. Mais voilà, c'est un petit dôme comme ça et ça ils aiment bien surtout en hiver, fil de là parce que ça les tient plus au chaud qu'un carton ou leur petit panier de chez Action qu'ils adorent, hein, mais Riley file. Bien sûr, elle vient voir tout ce que j'ai fait. Je retourne dessus. Après, il faudra que je prenne dessus. Alors, j'ai pris une autre petite cabane pour les titis. Je vais leur mettre juste après. Elle est trop belle, mais alors vraiment trop belle. C'est une pêche. Elle est magnifique. La couleur est sublime. Elle est super douce. L'intérieur est assez correct pour eux. Il y a aussi un tout petit pad à l'intérieur que vous pouvez enlever pour laver. Mais moi, je lave toute la cabane hein, parce que sinon, ça pue. Et les lichettes pour l'accrocher sont au sol. Donc c'est beaucoup plus pratique que les autres tentes que j'achète. Je vais pouvoir la fixer vraiment au barreau pour qu'elle soit plus stable que la petite tente qu'ils ont, qui ont juste une attache derrière. Au pire, vous pouvez la suspendre par ici aussi. Mais eux, quand c'est suspendu, à part le hamac, ils n'aiment pas trop. Mais je vais leur mettre juste après. Alors, j'ai commandé deux hamacs. En fait, j'ai eu une folie. J'ai commandé des trucs pour mettre dans leur cage pour Noël. Mais d'abord, je vais vous montrer le premier hamac. Alors, il est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Beaucoup plus fin aussi que ceux que j'ai, que j'avais acheté de base pour les chichous, mais qui ne vont jamais dedans. Eux l'utilisent. Mais je pense que pour eux quatre, la taille est correcte. Et pareil, je vais leur mettre juste après. Ils prendront un peu moins de place que celui qu'ils ont pour l'instant, avec des pastèques et des kiwis. Voilà, il est juste trop beau. Donc eux ils dorment à l'intérieur, mais c'est vachement ouvert. Donc je sais pas s'ils iront vraiment dedans. Je vais tester, je verrai bien de toute façon s'ils vont pas dedans. Et les attaches sont fournies avec, ce qui n'est pas le cas de tous les trucs comme ça pour animaux. Et du coup j'ai pris un hamac
Pour Noyal. Trop. Voilà, donc c'est exactement le même, sauf que c'est des dessins de Noël. Pareil, les attaches sont fournies. Il est trop beau. Il est trop beau. Et j'ai pris une petite tente de Noël. Ils adorent hein, les petites tentes comme ça, ils adorent les dents. Voilà, elle est un peu plus grande. Il n'y a rien pour l'attacher par contre, celle-ci. Donc il faudra que je ruse. Je pense que je vais pouvoir l'attacher par ici, par la queue. Elle bougera un peu plus, mais bon, voilà. Pour Noël, ça sera trop beau. Pour les animaux, c'est bon. Alors je vais vous montrer les deux t-shirts, parce qu'après c'est que DIY, hein, on est d'accord. Mais vous savez que j'ai une passion axolote en ce moment. Donc je vous ai acheté deux t-shirts axolotes. Voilà, c'est depuis que j'ai fait mon axolote en fimo. Hein. J'ai pris celui-là, donc qui est très fin, qui a une matière vraiment t-shirt, mais enfin t-shirt maillot de bain, comme ça, vous savez, très fluide. Mais regardez-moi ce dessin, il est trop beau. Donc j'ai pris en M pour être à l'aise dedans. Bon, vous voyez pas, mais il est vraiment sublime. Vous avez le même dessin dans le dos. Trop beau. Je vais enfin pouvoir les mettre parce que là, ils traînent là depuis quelques jours. Hein. C'était une des premières commandes que j'avais reçues. Et le deuxième, c'est vraiment une matière t-shirt. Un peu plus épais et c'est pas du flocage, mais il est trop beau aussi sur le petit ordinateur avec un bubble tea, des chips, c'est tout mort. C'est pas du flocage, donc c'est génial. Il est beige et le dessin rose comme ça, il est juste sublime. Pareil, taille M pour être à l'aise. Ils sont larges, hein, large et long. Donc là, il m'arrive en dessous du ventre. C'est 3 mètres. C'est Riley qui joue. Hein. Alors, avant de passer au moule en silicone, je vais vous montrer ce qui est pour les autres DIY. Alors, si vous me suivez en vlog, vous avez vu que j'ai mis un temps fou à recevoir mes pigments chrome. C'est des multi-chrome, c'est une boîte de 4 pots. Ils sont sublimes, hein, vraiment sublimes. Ils sont livrés comme ça dans la petite boîte. C'est des de 5 grammes, je crois. Je ne sais pas noter, mais il me semble que c'est 5 grammes. Ah si, c'est noté ici, 5 ou 10, attendez. 5 grammes. Et ils sont très beaux, voilà, je les ai déjà utilisés dans des trucs en résine. Bon, vous voyez pas bien, mais ils sont vraiment canons. Ils sont un petit peu en transparence, donc vous pouvez très bien vous en servir aussi pour le maquillage, pour les ongles, pour à peu près tout, hein. C'est du mica, donc bon, vous voyez pas bien, ah ça y est. Mais ils sont vraiment très beaux, donc là c'est deux teintes, et je vous montre les deux autres. Je sais pas si vous allez bien voir les reflets, mais... Voilà, au-dessus vous avez les étiquettes avec les effets. J'ai mis un temps vraiment fou à les recevoir, ça a mis plus d'un mois. Je t'ai décomposé. Je sais pas ce qu'elle fait. Hein. J'ai également pris ces petits strass là, donc il y en a 10 à l'intérieur. Il m'en manque deux dedans parce que je les ai mis quelque part. Je voulais faire un truc avec et puis ça ne va pas. En fait, je voulais m'en servir pour faire des ailes de dragons, d'oiseaux et tout ça. Sauf que, ben, ils sont tous tournés dans le même sens. Donc, ça va pas. C'est dommage, franchement. Ou alors, il faudrait que j'en colle deux. Non, ça irait même pas, je pense pas. Non. Ils sont tous tournés dans le même sens. C'est un peu dommage. Maintenant, ça peut faire un très beau pendentif ou des très belles boucles d'oreilles. Il faut forer en fait parce qu'il n'y a pas d'attache. Mais si vous forez dans la tige, vous pouvez glisser un anneau dedans pour faire des bijoux. J'ai pris ceci aussi. Pareil, hein, donc là, vous avez déjà le trou. Il y a de l'antique bronze, du doré et de l'argenté. C'est des petites arabesques comme ça pour mettre sur les bijoux. Pareil, en boucle d'oreille, ça peut être très beau. Enfin, voilà quoi. J'ai pris ça. Je ne sais plus combien est-ce qu'il y en a dedans. Il y en a quand même pas mal. Et donc, j'ai fait une razzia sur tout ce qui est pour faire des bijoux. Donc, c'est des supports pour faire les cabochons et tout ça. Je vous ai fait une vidéo que je vous remets en barre d'infos où j'ai fait les pinces à cheveux, enfin les barrettes et des bracelets. Et des pendentifs également, mais il faut encore que je fasse les bagues que vous aurez bientôt. Je vais vous montrer et je vais vous montrer après ce que j'en ai fait. Voilà, mais allez voir la vidéo, c'est une en musique, c'est très satisfaisant, regardez. Donc d'abord j'ai pris des barrettes. Voilà, j'ai pris en doré, un peu antique comme ça, argenté forcément, parce que c'est ce que je préfère.
Mais c'est tout. J'aimerais bien trouver des noirs comme ça. Il faut que je regarde et je vous montre ce que moi j'ai fait avec les deux miennes. Donc voilà ce que ça donne. Elles sont très belles. Je les adore. C'est vraiment devenu mes barrettes préférées. J'aime beaucoup et ça habille tout de suite. Moi j'aime bien quand je fais une demi-queue, même une queue de cheval, hein, ça habille tout de suite une coiffure, c'est sublime. J'ai pris également des supports pour bracelets. Donc j'ai pris des rose gold argenté et noir. Voilà, avec un cabochon, enfin un support pour cabochon ovale. Et oh my god, c'est trop beau. Donc je vous en montre deux que j'ai fait hein, dans la vidéo. C'est sublime. Et pareil, hein, les petites manchettes comme ça, ça habille tout de suite une tenue, c'est super beau. Et ce que je vais faire, j'ai pris des bagues, je vais les faire bientôt, vous aurez bientôt la vidéo. J'ai pris juste en argenté et en noir. Je vais vous montrer les détails, ils sont vraiment, je vous en manque une, hein, c'est exactement les mêmes, sauf que la couleur elle change. Vous avez également en doré et peut-être bien en rose gold, je ne sais plus. Alors attendez, il faut que j'arrive à en choper une, mais ça s'en mêle. Donc c'est des supports de bagues réglables, forcément c'est de la gnognotte, hein. Voilà, c'est pas non plus de l'argent. Hein. Mais voilà, pour garder le temps d'une soirée et tout ça, si vous avez comme moi le problème que ça devient vert, je vous conseille de mettre du vernis transparent, voilà, un durcisseur d'ongles ou quelque chose pour éviter que ça ne transfère. Donc, je vais élargir un peu pour mettre à mon doigt ici. Donc là, vous faites soit de vous coller un cabochon ou soit de vous mettre directement comme moi, je fais avec la résine UV et tout ça. Ou une pierre, hein, si vous avez des pierres, ça peut être joli aussi. Et voilà comment est-ce qu'elle est ciselée. Donc c'est réglable, voilà, autant que vous voulez, vous pouvez le mettre à tous les doigts. Enfin, le petit doigt, moi, ça sera beaucoup trop large, ou alors ça va vraiment pincer. Vous voyez, il faut vraiment que je la pince très fort. Mais elle est vraiment magnifique, quoi. Les détails sont canons. Franchement, j'ai... Ah, je suis emmêlée dans mon alliance. Franchement, j'ai trop hâte de les faire. Je ne vais pas tarder à les faire. Je pense que ce soir ou demain, je vais faire ça. Et on va pouvoir passer au moule en silicone. Et là, c'est un carnage. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... J'en ai avoir 15, 16. Mais oui, quand même. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus petits que ce que je ne pensais. Et il y en a qui sont beaucoup plus gros que ce que je ne pensais. Enfin, beaucoup. Qui sont plus gros que je ne pensais. On va commencer avec un que j'ai fait. Je crois que c'est le seul que j'ai fait de chez AliExpress. Ouais. C'est un petit pot à crayon. Alors, je le pensais plus gros que ça. Hein. Mais il est hexagonal. Voilà. Et c'est très joli. Maintenant, vous pouvez également mettre une bougie chauffe-plat à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer ce qu'il donne. Enfin, voilà comment moi je l'ai fait. Hein. Voilà. C'est très beau. J'aime beaucoup. Maintenant, vous pouvez mettre aussi des petites fleurs, de la déco, ou juste le laisser comme ça en déco. Mais je pense qu'une bougie chauffe-plat rentre à l'intérieur. Peut-être pas jusqu'au fond. Je ne saurais pas vous dire. Franchement, il faut que je regarde. Maintenant que vous avez des petites bougies, je pense que les petits... comment ça s'appelle ? Yankee Candle rentre dedans. Enfin, voilà. Il y a moyen de trouver une utilité, même un petit pot à crayon pour mettre, si vous avez que 2-3 pinceaux, votre pince à ongles, votre pince à épiler, tout ça. Enfin, il y a toujours moyen de trouver des trucs à mettre dans ce genre de petit pot. Et je l'ai trouvé très bon. Voilà, voilà. Alors, les autres, je vous affiche. Je vais décaler un peu. Je vous affiche le rendu. Alors, je vais commencer par celui-ci. C'est un espèce de petit chat. Alors là, la taille par rapport à ma main. Je peux vous montrer que la taille, hein, parce que le rendu, vous ne voyez pas trop. Il est hyper souple et apparemment, il a l'air assez stable quand même, parce que ici c'est tout antidérapant. Vous verrez dans le haut le Temu que j'ai eu un souci avec un moule. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Dans le même esprit, j'ai pris celui-ci, c'est un petit dragon.
qui ressemble énormément à croque-mou, on est d'accord. Mais voilà, donc voilà la taille. Il fait la taille de mon pouce en hauteur, quoi. Celui-ci, il doit y avoir un couvercle avec. Alors attendez, oui, c'est ici. J'ai pris, donc ça on se le fera à Halloween, c'est en deux parties, hein, vous avez, c'est un petit pot, c'est une maison pumpkin avec un chapeau de sorcière. Je l'ai vu sur un réel et je l'ai cherché, hein, ce truc-là. Et vous verrez, pchit, non, sur le hall Temu que je me suis planté aussi pour un autre moule. Je voulais le même en version champignon, la petite maison en champignon comme ça. Et en fait, j'ai reçu que des champignons. Je me suis gouré, mais je viens de recommander l'autre, je crois. Sur Chine. Je crois que je l'ai trouvé sur Chine. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Ça fait 1 heure que j'ai commandé, donc je ne sais plus. Toujours pour Halloween, j'ai pris. Celui-là, je le pensais un petit peu plus gros, mais je l'ai trouvé trop mignon. Donc, c'est une petite citrouille avec un chapeau. Voilà la taille. Et je l'ai trouvé trop beau. Et je trouve que c'est très beau comme elle a fait sur le. Comme c'est montré sur le site avec le chapeau en multichrome comme ça. Je trouvais ça sympa. Donc voilà, je vais être contente de le faire. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, j'ai commandé celui-ci, je ne sais plus c'est quoi. Oh, je sais plus c'est quoi celui-là. Je ne sais plus moi-même hein, à quoi ça, parce que ça ressemble à rien. Hein. Si je vous montre comme ça, je sais qu'il y a les Bambis, mais je ne sais plus si c'est. Ouais, ça doit être ça. Hein. Non, c'est pas les Bambis, quoi que. Ouais, si, ça doit être mes deux petits Bambis. Ouais, c'est ça. Donc là, la taille, j'en ai pris deux. J'ai pris ceux qui étaient. Ah, il est en train de me pousser. Qui me plaisait le plus. Donc ça, c'est mes petits Bambis. Voilà, la taille est plutôt correcte. Donc ça, je vous ai montré ça aussi. Alors, passion petit chat. J'ai pris ces deux-là qui sont les mêmes. Putain, elle est venue péter juste en dessous de mes jambes et puis elle est bâtie sur le coucher. Donc voilà la taille. Ils sont franchement très beaux. Ils sont assez grands. Maintenant, c'est du 3D, mais eux, ils les montrent posés. Comme ça, donc celui-ci, oui, je peux comprendre. Celui-ci, il arrondit en dessous, donc faudra le coller sur quelque chose. Et c'est un ange et un démon, voilà, tout simplement. J'ai pris également celui-ci, donc là, la taille. Je l'ai trouvé très joli. C'est un espèce de chat démon aquatique, je ne sais pas trop, mais voilà, je l'ai trouvé sympa. Donc on fera une session petit chat, un de ces quatre. Ou moi je le ferai et puis je filmerai juste le démoulage comme voilà je quand je fais de la résine comme ça je fais principalement pour moi donc je vous filme juste les démoulages et je vous fais une compile. Attendez parce que je ne sais plus ce que je vais vous montrer ou pas. Ah, toujours pour Halloween, j'ai pris cette petite poupée. Il y a des poils partout. Donc là la taille, franchement c'est plutôt correct. Et voilà, c'est un peu une espèce de petite poupée vaudou. Et je l'ai trouvée sympa, tout simplement. Voilà, je trouvais ça. Ouais, sympa. Parce que je peux même mettre des yeux à la place des. Eux, ils ont des espèces de boutons là. Mais je pense que si je colle des yeux rouges ou des trucs comme ça fera très beau. Alors, j'ai pris ceci. Alors, j'ai pensé un peu plus gros, mais bon, ça fera des jolis petits porte-clés. Voilà, passion porte-clés, hein, vous savez. Ici, vous avez deux fois le même dessin. Donc, c'est un petit dragon et une petite licorne. C'est ça. Hein. Ouais. Je pense qu'ils seront mieux à faire en fimo ceci que en résine, mais je les ai trouvés mignons. Donc, voilà, je les ferai. Et celui-ci, je le pensais beaucoup plus gros. C'est un petit dragon dans un œuf comme ça. Mais il est très petit. Hein. Vraiment très petit, vous voyez, par rapport à mon pouce. Il fait même pas la hauteur de mon pouce. Il est vraiment très petit. Ah non, oui, il m'en reste un. Non, il m'en reste deux à vous montrer. Les deux que j'ai le plus hâte de faire. Bah, celui-ci, je l'ai pris principalement parce que c'est Enzo qui voulait que je refasse un dragon en résine, mais j'avais pas de moule de dragon. Les dragons, en principe, je les fais en fimo, hein, comme vous pouvez voir ici. Vous en avez plusieurs sur la chaîne de dispo si vous voulez aller voir. Mais j'ai pris celui-ci et il est vraiment très gros. Voilà, il fait la taille de ma main complète. Franchement, c'est un dragon couché, donc qui dort. J'ai hâte de le faire, franchement. Celui-ci et le dernier que je vais vous montrer, là, c'est vraiment les deux que j'ai le plus hâte de faire. Il a l'air très beau avec le chat aussi, le chat poisson.
chat sirène, chat aquatique, chat je ne sais quoi. Et le dernier, c'est un dragon, un bébé dragon dans son œuf, dans sa coquille d'œuf. Donc voilà la taille, plutôt correcte. Et j'ai trouvé sa frimousse trop mignonne. Donc là, on voit pas bien, hein, mais voilà. C'est ça la surprise de la résine, c'est que c'est vraiment au démoulage que vous savez ce que ça rend. Alors il va être assez dur à retourner pour faire les détails, mais ça ne va pas m'empêcher de m'amuser pour le faire. Et voilà. Il y a l'effet sur la coquille de l'œuf et tout. J'ai trop hâte de faire tout ça. Halloween, on se fera une session avec tous les moules en résine Halloween, en silicone que j'ai. J'en ai un plus gros en haut aussi, mais c'est là que j'avais acheté pour faire du plâtre, bien que je ne trouve plus du plâtre chez Action, donc c'est un peu chiant. Parce que ça coûte quand même moins cher le plâtre de chez Action que la résine, hein, on est d'accord. Mais c'est pas du tout la même chose non plus. Bref, donc voilà, vous avez les liens en barre d'infos, dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent, que ce soit pour les animaux, les t-shirts, les bijoux, les moules, tout ça. N'oubliez pas le pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.